Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose des tagliatelles au chorizo. Alors pour cette recette ici, vous avez, là j'ai 500 ml d'eau avec un cube de bouillon de bœuf émietté. On mettra 2 cuillères à café de concentré de tomate. Là vous avez 300 g de tagliatelles, une courgette coupée en morceaux. Là j'ai des lanières de chorizo. Il y en a 100 grammes. Alors si vous n'avez pas de lanière, si vous n'en trouvez pas, eh bien vous prenez chorizo et vous coupez en morceaux. Ensuite, je vais rajouter une petite boîte de tomates pelées, du poivre, du sel. Ça, je mets plutôt ça au moment de déguster. Et puis, je vais mettre du riz d'or. C'est un mélange de plusieurs épices avec un petit peu de safran dedans. Eh bien, c'est parti pour la recette. On va se mettre dans un premier temps en mode manuel et en mode doré, et puis on va mettre les lanières de chorizo dans la cuve de notre cookéo. Allez, je vais ajouter les courgettes. Je vais saupoudrer avec mon riz d'or. Je mélange. Je vais ajouter mes tagliatelles. Je vais verser mon bouillon. Je vais ajouter mes tomates pelées. Et maintenant, je vais programmer une cuisson. J'arrête à fonction dorée. Je mets en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Et là, je regarde le temps indiqué sur le paquet de pâtes. Je divise par deux, c'est des 8 minutes. Je vais mettre 4 minutes de cuisson. Je fais OK, qu'un départ immédiat. La cuisson est terminée. Je vais ajouter mes 2 cuillères à café de concentré de tomate. Je mélange. Et voilà, quand vous avez bien mélangé, bien, vous n'avez plus qu'à servir cela chaud. Oui, pour les tagliatelles, pensez à les mettre bien au fond de la cuve. Et puis, vous pouvez aussi utiliser autre chose que des tagliatelles, bien sûr. Vous pouvez remplacer par des coquillettes, par exemple, ou des spaghettis. Eh bien, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.